J'ai l'impression d'être comme un touriste dans un pays inconnu. Je ne sais pas ce que je fous là. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où il faut aller. Je suis complètement paumé. C'est magnifique! Ah là là, ça annonce épique cette vidéo. C'est le moins que l'on puisse dire. Bon, essayons de redevenir un peu plus sérieux, parce que je sens que cette vidéo va partir en cacahuète, mais ça va être vite fait et bien fait. Et donc, tout le monde, c'est Squad82. Alors aujourd'hui, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour le direct live de Battlefield 3. Incroyable, non, non, vous n'hallucinez pas du tout, Le Squall s'est décidé à se mettre au FPS, qui l'eût cru? Pas moi en tout cas, mais pour le délire, pour la découverte, pour la curiosité également, il me faut tester un FPS tendance, et pourquoi pas ce Battlefield 3, qui a tant fait parler de lui, il y a de cela, fin de l'année 2011 maintenant, donc plus d'un an et demi après sa sortie. Je m'essaye enfin à ce jeu, puisque si vous vous rappelez de ma vidéo récolte des soldes d'hiver, bah, j'avais pu choper pour 10 euros seulement ce Battlefield 3, en plus dans sa version limitée. Donc voilà, c'est vraiment pour le fun que j'ai pris ce jeu. Allez, on va voir de quoi il retourne, mais je vous préviens tout de suite, je ne m'y connais absolument pas en FPS. Pour ceux qui me suivent, vous savez absolument, tout comme moi, que voilà, c'est pas mon genre de jeu de prédilection, donc je risque de dire pas mal de conneries, ça, je m'en excuse à l'avance, et surtout, je m'excuse à l'avance pour la prestation minable que je m'apprête à faire, parce que voilà, je joue que très très peu à des FPS, pour tout vous dire, j'ai dû en faire peut-être 3 au total dans toute ma vie de gamer, donc voilà, j'ai aucune expérience dans le domaine, donc voilà, ma skill risque de s'en faire sentir au cours de ce direct live, voilà, elle va être en mousse, en cacahuète, en carton mâché, en ce que vous voulez, mais voilà, ça va être du grand what the fuck. Alors, Battlefield 3, donc on est sur le menu principal. Donc là, j'ai mis le DVD 2, puisque je suis sur 360 et il y a deux DVD. Alors, je sais pas sur PS3 s'il y a deux Blu-ray, je pense pas, je pense que tout tient sur un seul même Blu-ray. Mais sur Xbox 360, on a deux DVD. Le premier DVD contient le multijoueur plus le HD content. Donc là, j'ai pas compris parce que quand j'ai mis le DVD du jeu, bah, il m'a demandé d'installer, si on le souhaite bien sûr, le contenu HD pour bénéficier de meilleurs graphismes. Donc ça, je comprends pas du tout. Normalement, ça aurait dû être d'office quand on met le jeu, on a la version HD, je sais pas. Quand on met un jeu next-gen, on est censé avoir de la HD directement. C'est pas en option, va comprendre, c'est peut-être des graphismes un peu plus améliorés, je sais pas. Enfin bref, j'ai installé cette mise à jour pour avoir le contenu HD. Ça c'est présent sur le DVD 1, et sur le DVD 2, il y a le mode solo et la campagne. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis pour l'instant. Alors, on va voir vite fait ce qu'il y a. Voilà, c'est chelou en plus là, comment ça. Quand les images défilent comme ça, on dirait que c'est. Il y a une sorte de mini-freeze, c'est fait exprès, je pense, mais voilà, c'est un peu spécial quand même. Voyons dans bonus ce qu'il y a. Manuel du jeu, ouais, parce que j'ai regardé le manuel, il n'y a rien du tout dans la boîte du jeu. Ouais, comment on joue? Bon, on verra ça en direct. Boutique, ouais, pour acheter des trucs peut-être. Option, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vibration, on va tout laisser par défaut, normal, ouais. Ok, ifi, couleur daltonien, carrément. Ok, bon, si tu veux. Bon, allez, on sort de là. Mon soldat, personnaliser votre soldat et consulter ses statistiques et sa progression. On s'en fout. Allez, on va faire le mode campagne, puisque le multi, je pense qu'il va me demander d'insérer le DVD 2. Enfin, le DVD 1 plutôt. Donc, allez, campagne. On va faire le mode solo, on va voir de quoi il retourne. Facile, normal ou difficile. Allez, on est des oufs, même si on n'a jamais joué à un FPS, on se met en normal, Un minimum de challenge, que diable! On va voir ce que vaut ce Battlefield 3 qui a tant fait parler de lui. Apparemment, le mode solo est vraiment très moyen, pour ne pas dire très mauvais, mais on va voir de toute façon. Je ne pourrais pas comparer par rapport à notre FPS puisque j'en ai pas fait. Qu'est-ce qui se passe?
Electronic Arts. C'est le développeur, hein, 10. Armes pour tirer, pour zoomer, pour recharger. Ok, direct. Ah oui, on est plongé dans le feu de l'action, hein. On perd pas de temps, hein. Ok, bon. Putain, je suis en train de me faire canarder déjà. Faut se planquer peut-être, non? Ah, ça c'est pour zoomer, ok. Ah, il est mort. X pour recharger, ok, on va recharger. Ah, j'ai des menottes, hein. J'ai l'impression d'être un criminel, hein, qui tente de s'échapper. Un grand classique, hein. Dans les films américains d'action, c'est toujours ça. Toujours un criminel en chasse et tout. Commande de déplacement RS pour s'accroupir. Ok, comme ça, d'accord. C'est pas mal. Bon, graphiquement, ça a l'air plutôt joli quand même. Pour un jeu sorti fin 2011. C'est correct. Oh putain, il y a eu un carnage ici. Des innocents y sont passés. Ah, X pour prendre le M1014. Ok, une nouvelle arme, c'est cool. Quoi? Ah, il faut maintenir peut-être. Ah, voilà, c'est bon. Ok. Ah, là j'ai le fusée à pompe, c'est cool. Ah, j'ai que 5 balles ou 100 balles, je sais pas. Ah ouais, j'ai 100 balles, carrément. Ah ouais, j'ai quand même pas mal de munitions pour le dire. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Oula, oula. ART. QTE. Allez, bye bye, je sais pas où t'es parti, mais en tout cas, je pense que tu vas pas revenir. Attendez, comment on change d'arme? Les touches directionnelles ne servent à rien. LB sert à rien, RV... Ah! Ah, ça c'est pour donner un coup de couteau, RV, d'accord. Un coup de couteau, je crois, ouais. J'ai l'impression que c'est un couteau qui donne. Ça pour zoomer, on a dit LT, RT pour tirer, ok. X pour recharger. Ah, ça sert à quoi? Pour aller plus vite, peut-être. Appuyez sur B pour sortir, ok. Ok, d'accord, le mec il tire dessus. Je peux absolument rien faire. Ah merde, faut appuyer sur A comme un demeuré. Il y a des phases de QTE. Ok. Je suis sur le toit du train, c'est magnifique. Oh là, il y en a un qui arrive là. Foiré. Juste comme un pied. Je disais que ma skill laissait à désirer, hein. Je disais pas des conneries. RS. Vas-y, mais accroupis-toi. C'est ce que je fais, je suis accroupi là, non? Ouais, je suis accroupi là, ouais. Ok. Je pensais qu'on a. Ah, encore une arme, le AKS-74U. Okay. Super, c'est une mitraillette. Voilà, faut charger quand même. Allez, on rentre de nouveau dans le train. Allez, on fait le carnage. Kamikaze. Ok. Putain, mais comment on se planque en plus? Enfoiré. Je serais déjà mort, je pense, en difficulté hard. Hein. C'est que le début du jeu, hein. Je pense que ça va se corser par la suite. Allez, on est des ouf, hein. La joue Rambo. Comment on se planque? On peut pas se planquer? Y'a pas de touche pour se planquer, on dirait. T'as vu, il vise aussi mal que moi, incroyable. C'est un peu con, hein, les ennemis. Hein. Putain, il est juste devant moi et il tire à côté, quoi. Incroyable. Il y en a encore un qui me tire dessus là. Y'a pas une grenade? Là. Ça va, je me débrouille plutôt bien pour l'instant. Vous devez vous foutre de ma gueule, hein, je sais, hein. C'est vraiment pas ma tasse de thé les FPS, hein. Putain, combien de coups je me suis pris, je suis toujours pas mort. Incroyable. Recharger, avancer. Ah, il y a des petits checkpoints. Arrêter le train, atteindre le moteur, arrêter le train, d'accord.
D'accord, d'accord. On va ouvrir la porte. Ah, oh, l'enfoiré. C'est scripté. Déjà un succès. Vision du futur. Bon. Je pensais qu'on allait incarner un soldat, mais là on a incarné un prisonnier. Je sais pas, c'est bizarre. Je pensais que c'était un jeu de guerre à la base, non? À mon avis, c'est que le début du jeu, hein, pour nous mettre l'eau à la bouche. On verra bien maintenant. On va peut-être être sur le champ de bataille maintenant. Heures plus tôt, d'accord. C'est mieux? Ouais. C'est bien ça en français. La CIA. Bonjour, sergent Blackburn. Vous allez finir par me dire ce qui se passe. Il y a de ça 18 heures, j'ai reçu un coup de fil de la sécurité intérieure au sujet d'un marine sans détention à qui je devais parler. Une sombre histoire de complot terroriste à New York. Et ce marine s'affirme détenir des informations pour l'empêcher. Le mieux dans tout ça, c'est que l'attentat est censé se produire aujourd'hui. Alors nous sommes là. Vous en faites une tête. On dirait presque que ça vous embête d'être ici. Vous le connaissez? C'est lui. C'est Solomon. Et vous croyez toujours qu'il prépare un attentat ici à New York? Pas vous. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. J'ai lu le dossier. Il veut juste sauver sa peau. Il a rien d'utile à nous dire. Non, écoutez-moi. Vous m'enterrerez après, ok? Pas besoin de vous enterrer, vous êtes déjà mort. Ok. Il n'a pas les infos qu'on cherche. Le temps nous est compté. Je compte bien suivre cette piste. Tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous aidiez à comprendre le scénario de l'attaque. Votre collaboration vous permettra peut-être de vous sortir de la merde dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. On ne demande qu'une chose, sergent Blackburn, c'est la vérité. C'est bien clair? Est-ce que c'est lui qu'on incarnait au début? Quand précisément avez-vous entendu parler de Solomon et du PLR? C'était il y a 9 mois. Opération Brise-Lame, au Kurdistan d'Irak. Ok. Qu'avez-vous à dire? Bon, la VF est plutôt de bonne qualité, je trouve, hein. En anglais, je pense que ça arrache encore mieux, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ah ouais, donc là, je pense qu'il raconte ce qui s'est passé pendant la guerre, je ne sais où. Je n'ai pas écouté tout. Elle passera la ligne de départ dans 2 minutes, à vous. Bien reçu. Eh les gars, je suis le seul qui se demande ce qu'on vient foutre ici. Arrête un peu de dire des conneries, Montes. Moi, je pense que pour combattre le PLR, il faut aller en Iran, pas en Irak. C'est parce qu'ils ont passé la frontière. C'est le PLR qu'on combat, ok? Tu vas arrêter de t'inquiéter. C'est la guerre en Irak. Misfit 1-3, ici Misfit Leader. Il se passe quelque chose. Débarquez votre équipe et rendez-vous à la zone de préparation. Terminé. Ici 1-3, c'est bien reçu. Je peux savoir pourquoi on s'arrête là? L'objectif est à 20 bornes au nord. J'en sais pas plus que toi. Ok, on va se décourdir les gens. C'est bon, on y va. C'est parti. Là, on va être sur le champ de bataille. Je crois qu'on est en retard à la fête. Où est le lieutenant? Tournez à droite par ici. Ah ouais. Merci! On peut tirer? On peut pas tirer. Tu t'es jamais suivre. Demandé pourquoi okay. C'est toujours le bordel dans cette partie du monde. Ouais, il y a un souci du détail quand même. Hein. C'est pas moche. Avancer avec les squads. Ok, je te suis. Juste derrière toi, non, c'est pas toi? Ah merde, je me suis gouré de squad. Merde, ils sont déjà tout là-bas. Eh, attendez-moi, les gars. Bon. Blackburn. Je m'appelle Blackburn. Je pense que c'est le héros de ce jeu. C'est lui qui raconte. Bonjour ce qui s'est tous. Passé, en Messieurs, fait. Comme vous le savez, on a affaire à des insurgés du PLR venant d'Iran. Ça cause une forte tension sectaire. Surtout, gardez bien à l'esprit que les gens de ce pays ne sont pas vos ennemis. Je vois rien. C'est le PLR. À 09:30, on a perdu contact avec les Vipers. S'enquêter sur la présence d'un engin explosif improvisé à proximité du marché de Spinza. Le PLR est sûrement impliqué. Je vous charge de retrouver nos Marines et de les soutenir. Demandez une Evasan si nécessaire. Vous êtes la force de réaction rapide. Je compte sur vous pour réussir.
retrouver nos Marines. Ok. On y va. Ouais, on est des Marines. On craint rien et personne. Allons trouver cette patrouille. Ah, on peut courir là. Ah, ah c'est pour sauter, d'accord. Rond, c'est quoi? Ouais, c'est, je pense que c'est pour interagir avec des éléments du décor. Ah, voilà, c'est Y pour changer d'arme. Ok. Ok. Ça, c'est quoi? Ah, c'est le fusil sniper, excellent. D'accord, d'accord. Attendez. Est-ce que je peux lui tirer dessus, lui? Il me fait froid dans le dos. Je crois qu'on peut lui tirer dessus. Attendez, on va recommencer. Allez, une balle dans la tête, ça va marcher ou pas? Ouah, on peut même pas tuer nos amis, incroyable. C'est pas très réaliste, hein. Bon, c'est pas grave. Appuie pour sprinter. Ah ok, il faut maintenir... Ah ouais, c'est ça, c'est chelou. Il faut maintenir le bouton stick analogique gauche et avancer en même temps pour pouvoir courir. Ok. On est toujours en mode tutoriel là. C'est quoi ça? On peut le tuer? Identifier cible. C'est quoi ça? Une école? C'est vrai, j'oublie toujours qu'il n'y a pas d'école là d'où tu viens. Restez groupés. Regardez partout. Toujours des blagues moisies, hein. Typique des films américains de bourrés d'action. C'est quoi ça? Des villages pourraient détruire ces dépôts de munitions plus loin quand même. Bon. Un tremblement de terre. On est à 100 bornes d'une grosse faille. On a un grand quart. Elle est où mon arme? Ah, c'est scripté, je crois. Suivre. Oula. Ok, là je peux y aller. Ok, en avant. Amène-toi, Black. Allez. Ouais, j'arrive. Mais comment on se planque? Non, c'est pas comme ça qu'on se planque. Ah merde, qu'est-ce que j'ai lancé? Oh là là, le boulet. Le tir ami est interdit. J'ai pas fait exprès les enfants, j'appuie sur LB mais ça a envoyé une grenade, je sais même pas. Bon. Bon, ils sont où les ennemis là? Ramène-toi par ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux même pas le tuer, le tir ami est interdit. Ouais, ok, mais on aurait pu au moins pour le fun les tuer quoi, même si ça aurait fait rater la mission, mais au moins ça aurait été fun. Bon, qu'est-ce qu'on... Il y a marqué suivre. Mais je l'ai suivi, non? C'est pas eux que je dois suivre? Bon. C'est peut-être pas lui. Attendez. Ah, c'est lui, ok. Ah putain, il a le lance-roquette, lui. Par un seul civil. J'aime pas ça du tout. Oh! Il s'est fait tirer dessus, lui. Sniper! Sniper! Il est où, putain? Là, il faut appuyer encore, là il y a plein de QTE là, c'est relou. Il est mort non? Putain, lancer grenade. Ah putain, je me fais tirer dessus. Comment on se planque? Je suis mort. Magnifique! Ça commence bien! Première mort! Magnifique! J'ai rien compris, je me suis fait tirer dessus. Ils m'ont dit de lancer une grenade et je suis mort. Comme un con. Bon. Où est-ce que je recommence? Bon, ça va, je recommence pas de trop loin. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire là? Comment on se planque? On peut pas se planquer? Tenez, prenez ça, bande d'enfoirés! Oh putain, putain! Non, je suis encore mort! Putain, mais c'est incroyable! Mais comment ça se fait? Échec de la mission, vous êtes mort. Non, sans blague. Putain! Oh putain, à chaque fois en plus on se tape un temps de chargement, ça va être relou. Et j'ai pas compris là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont tiré dessus mais ils me laissaient aucune chance quoi. Ah, tu... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, attendez, attendez. Sécuriser le parking, repousser les ennemis à l'est. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je lance une grenade. Ça fait quelque chose. Et
Mais putain, je l'ai tué! C'est incroyable. Oh là 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 là, j'aurais dû mettre en facile, en fin de compte. Bon. Aïe 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 aïe. Ça fait déjà 3 morts, c'est magnifique. Et je vous assure, je ne le fais pas exprès. Hein. Quand je vous disais que moi et les FPS, ça faisait 2, voire 3. Putain, hein, je me suis déjà tiré dessus. Est-ce qu'on reprend de l'énergie quand on reste à couvert? Attendez, on va se planquer comme ça. Voilà. C'est rechargé. Voilà. Ok. On va se la jouer comme ça. Voilà. Ils avancent. Ils avancent. Allez, on y va. Derrière moi. Ouais, ouais, j'arrive. Bien, ok, ça va. Lance-roquette à 12h. Quoi? En premier. Oh putain. Ça rigole pas. Neutraliser les lance-roquettes. Attendez, il faut que je prenne le... Je prends le sniper. Il est où le... Il est où cet enfoiré de lance-roquettes? Près du bâtiment, de l'autre côté du parking. Il contourne. En avant. Là. Arrête de gueuler. Il passe par-dessus le mur à droite. Et ici, à gauche. Il est là-bas, je crois. Je le vois pas d'ici. Oh là là, je vais mourir, je vais mourir. Ah, ok, je prends l'arme. Pour prendre le M41. Je sais même pas ce que j'ai pris. Putain, il est où? Attaqué. Eh oui, mais attendez, je le vois même pas. Voilà, un headshot dans ta gueule. Toi aussi, t'es mort. T'es pas mort? Si, t'es mort. Y'en a pas d'autres là? Qui veut splitter avec moi là? Putain, y'a des lance-roquettes, ils m'envoient ça partout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? T'es mort. Oh là là, oh là là, oh là là. Ils sont où ces lance-roquettes là? Ah il... Ah, il... Oh putain, j'utilise un sniper à courte distance, c'est magnifique. Attention, retournez sur la zone de combat. Quoi? T'es pas sur la zone de combat là. Couvert, ouais, bah le tir ami est interdit, ouais. Toi aussi t'es mort. Toi aussi. Qu'est-ce qu'ils font mes amis là? Je sais pas si on peut jouer en coop le mode solo, je pense. Mais... Oh putain. Mais ils sont où ces lance-roquettes à la con là? Oh putain, je vais crever là. Comment on se planque? Faut prendre de l'énergie peut-être en, Ah ouais, là, l'écran est tout taché, c'est-à-dire que je suis bien blessé. Oh putain. Oh là là, oh là là, je me suis canardé. Ok. Attendez, on va y aller comme ça. Ah merde, je suis même pas sur la zone de combat. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone de combat? Faut tirer sur quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'as vu, il me voit même pas. Ok. On prend le machin. Oh putain! Voilà. Ils sont tous morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, je suis mort. Mais qu'est-ce qu'il faisait là depuis tout à l'heure? J'ai rechargé une arme. Bon, j'ai pas compris là. Je me suis fait tuer et j'ai toujours pas compris comment. Et il disait d'abattre les lance-roquettes là, mais je les voyais même pas quoi. Je vois des roquettes sortir de je ne sais où du bâtiment là, et je les voyais même pas. Pff, relou. Bon, ça va, je recommence de là, mais. Au premier! Éloignez-vous du panier! Putain, ça serait bien de savoir. Oui, je vois rien. Black, avec moi! Ennemi près du bâtiment, de l'autre côté du parking! Il contourne! Ils sont là! Attendez, ah, merde, merde!
Oh là, oh là, oh là, oh là, merde! Putain, j'ai fait le con là. Oh là là là, c'est catastrophique. Une prestation catastrophique. Ah, vous devez bien vous marrer, hein. Vous devez dire, mais putain, Squall, mais tu joues comme un pied, hein. Ah, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu, ma skill laissait vraiment à désirer. Au premier! Bon. Quoi? Attends, je me suis pris la roquette dans la gueule ou quoi, là? Putain, j'ai à peine joué 3 secondes, je suis déjà mort! Ça, c'est pas possible! Oh là 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 là! Oh mon dieu! Est-ce que je vais réussir à finir au moins la première mission? Ça serait magnifique si j'y arrivais! Putain, c'est relou! Ah, j'aurais dû me mettre en facile, sérieux, là. Je joue trop mal. Au premier! Éloignez-vous du panier! Ah ouais, c'est cette fameuse roquette qui m'avait eu. Neutraliser les lance-roquettes, mais putain, comment tu veux que je les neutralise alors que je peux pas quitter la zone de combat? Ennemis près du bâtiment, de l'autre je vais te suivre, hein. Peut-être mon ami, hein. Là, ils sont là. Putain, putain, je vais me faire tuer, je vais me faire tuer. Et je suis mort. Mais c'est pas possible. Eh, mais sérieux. Putain, mais je... il faut faire quoi? En plus, je peux même pas me planquer quelque part. Ou alors, il faut appuyer sur une touche, je sais pas, je comprends rien. Comment on peut se planquer, là? Il n'y a pas de bouton où il faut juste baisser, c'est tout. On est planqué. C'est un petit peu chelou. Hein. Je commence à me saouler, là. Éloignez-vous du panier, bon. T'es pas très poli, hein, bordel de merde. Attendez, on va attendre qu'ils reviennent. Voilà, il est là. Foiré. Voilà, on va se planquer là, c'est le bon plan. Ça va, on les tue en quelques balles seulement, hein. C'est pas comme dans Resident Evil 6, il faut 20 milliards de balles pour tuer ne serait-ce qu'un zombie. Qui arrive là. Voilà. Putain, mais je tire, mais je sais même pas si je touche quelque chose. Ok. Si je suis bien caché. T'es caché. Ok. Est-ce qu'il repop à l'infini, hein? Parce que si c'est ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, il n'y a plus qu'un 4. Rien du tout. Je vais vous balancer une grenade. Prenez ça, bande d'enfoirés. N'importe où là. Oh putain. Oh l'enfoiré. L'enfoiré, il m'a planté. Je l'ai même pas vu venir. Bien joué. Ah, il m'a planté avec son couteau. En un coup, il m'a tué le mec. Incroyable. Oh, ça me saoule. Au premier! Putain, mais. Éloignez-vous du panier à terre! Alliés en approche! Alliés en approche! Ok, alliés en approche! Attendez. Pourtant, ici j'étais plutôt bien. Ils contournent! En avant! Là! Ils sont là! Ils peuvent s'arrêter plus avant! Ennemis à gauche! Oula, 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 oula! Putain, je me suis déjà fait tirer dessus plein de fois là. C'est bon, il est mort. Oh là là, mais putain, mais je vise trop mal. Faut faire gaffe à ce qu'il n'y a pas un connard qui arrive et qui me plante dans le dos.
Bon. Est-ce qu'on va y arriver? J'aimerais bien voir finir cette séquence à la con. Ah, neutraliser lance-roquette, c'est fait. Il est toujours là. Qu'est-ce qu'il vous faire là? J'ai pas compris. Tout à l'heure j'avais fait la même chose et j'ai pas pu tuer le lance-roquette. Et là j'ai pu le tuer rapidos. Va comprendre. Et pourtant j'étais au même endroit hein, dans cette obscurité là-bas. On voyait même pas ce qu'il y avait. J'ai pas compris là. Ouais, faut faire quoi là? Oh merde, pourquoi je lance une grenade? Putain, Black, arrête-toi. Ouais, on m'appelle là. Putain, Black. Dépêche-toi, j'arrive. On s'en occupe. Bon, de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là pour le mode solo. Je vais vous montrer un petit peu le mode multi. On y va. Enfin, découvrir le mode multi. Hein. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo ont peut-être déjà joué ou regardé des vidéos de ce Battlefield 3. Donc après... est-ce que c'est pareil que Call of Duty Modern Warfare 3 qui était sorti en même temps hein, c'était le gros combat entre les deux hein, pour désigner qui était le meilleur quoi. Il y avait les pros à Battlefield et les pros à Call of. Je ne sais point. Ouvre l'œil. De toute façon, la réputation de ce Battlefield 3 était surtout basée sur son multi qui était de très bonne qualité et que le solo était décevant et pas terrible. Va falloir qu'on avance d'un abri à l'autre. Évitez de vous monter en tête. On va courir là. Okay. Ah, je tire sur tout ce qui bouge. Venez, prenez ça, bande d'enfoirés. C'est bon, ils sont tous morts. Ces types sont pas du coin. Ils se parlaient pas en arabe. Al-Bashir aurait décidé d'exporter ses insurgés vedettes hors d'Iran. Ah là, les Américains. Allez, faut qu'on aille sur le toit. Toujours leurs ennemis, c'est qui? C'est les Arabes, incroyable. Le sniper est toujours là, faites attention. Les Américains, c'est les sauveurs de l'humanité, hein. C'est toujours les gentils. Hein. Et tous ceux qui sont pas américains, bah c'est des méchants. C'est la philosophie américaine. Putain, il y a une grenade, je crois, là. C'est un putain de 50. Non. Restez planqué. C'est facile à dire, hein. Avancez en restant à couvert, on va le débusquer. Ouais. Allez, t'inquiète. Okay. En avant, j'y vais. Ok, en avant, j'y vais. Des snipers là ou quoi? Ouais, donc apparemment ce mode campagne solo est pas terrible pour Battlefield 3. Donc moi pour l'instant j'ai pas vu qu'il était pas terrible. Je suis pas terrible non plus. Oh bah regardez-moi ça, je suis mort, je sais même pas comment. Voilà, magnifique. Putain, mais. J'en ai marre! Putain, je meurs, je sais même pas comment! Ah là 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 là. Ils disent que ce mode solo est court, qu'il se finit très rapidement. Bah, je pense que moi, si je compte le finir, j'en aurai pour 50 heures avec cette skill en mousse que j'ai là. Si je meurs tous les 3 mètres, c'est incroyable! Oh putain, je recommence de là, ça me saoule. Ah, éliminer le sniper, d'accord. Ah, il y a un sniper, ok. Donc déjà, il faut que je prenne un sniper. Sniper contre sniper. Attends, on va se mettre là, peut-être. Quoi? Mais putain, un coup, il me tue. C'est incroyable. Ouais, bon, c'est un petit peu réaliste quelque part aussi. Hein. Normalement, quand on se fait tirer dessus... On n'a pas une barre de vie qui revient tout de suite, hein. On crève directement. Quoique là, on s'est canardé, il suffit de se reposer quelques instants pour reprendre du fil de la bête, quoi. Et bon, c'est un petit peu chelou. Hein. Bon, j'essaie encore une fois. Si je meurs, bah, j'arrêterai là. Et puis, je vous ferai peut-être une petite partie pour le multi. Je vois rien. Merde, c'est un putain de 50. Restez planqué. Un putain de 50. Tu peux parler français s'il te plaît, j'y comprends rien. Traduction. C'est quoi un putain de 50? On va le débusquer. Ok, en avant. Bon, je vais rester derrière eux, peut-être qu'ils vont pas, ils vont pas me canarder le mec si je reste derrière eux. Ok, en avant, j'y vais. Ok. Oui.
Il est où? Sur cette plateforme. Si on veut au bord, il sera obligé de se montrer. Et là, on le butera. Okay. Ouais. T'as raison, Woofy. Collé au mur. Black, attends qu'on se mette en position. Vous arrêtez pas. Continuez. On continue, on continue. Campo, tu l'as en visuel? Je le vois. Bah moi, je le vois pas. Hein. Il est où? Maintenant. Merde, attendez-moi. Merde. Mais pourquoi je suis mort? Et comment ils font pour ramper, eux? Mais j'étais en train de ramper, c'est incroyable. Bon, ça me saoule, hein. Je suis mort je sais pas combien de fois là, mais ça c'était la mort de trop, hein. Je commence à en avoir marre. Putain, mais c'est incroyable. Vous pouvez transporter deux armes principales en même temps, ok. On recommence d'où là? Oh là là, on recommence de là. J'en ai marre. Putain, vraiment, prestation mais pitoyable quoi. J'ai honte de ce que je suis en train de vous montrer là, j'ai honte. Merde, c'est un putain de 50. Mais c'est quoi un putain de 50, bordel de merde? Enfoiré. Je crois que c'est peut-être là. Avancez en restant à couvert. On va le débusquer. Allez. Ok. Bon. En avant. J'y vais. Ok. En avant. J'y vais. Suivre. Mais je sais même pas où il est, c'est ça le pire. Je sais absolument pas où il est. Si on va au bord, il sera obligé de se montrer. Et là, on le butera. Ok. Attends. Collé au mur. Faut que je les suive là. Attends qu'on se mette en position. Vous arrêtez pas. Continuez. Ouais, t'inquiète, je reste avec toi là. Je te colle au train. J'ai pas envie. Tu l'as en visuel? Je le vois. Bah, tire-lui dessus si tu le vois, connard. Maintenant. Ah voilà. Tu pues des pieds mec hein. T'as déjà dit. Voilà notre sniper. Ok. Voilà, éliminer le sniper. 50 mètres, à mi-hauteur. Putain, il est bien planqué. Passe-le à Black. Ça commence à être chaud. Pourquoi moi? Je suis un bleu moi, putain, mais pourquoi passe-le à Black? C'est incroyable. Je suis à peine relevé qu'il me tire dessus quoi, mais c'est incroyable. Passe-le à Black. Je suis un bleu. C'est honteux, j'ai honte. J'ai vraiment honte de cette prestation minable, mais qu'est-ce que qui m'a pris de jouer à ce type de jeu. Putain. Non mais sérieux, en plus je le fais pas exprès, je vous jure, là j'ai essayé de bien jouer. Oh là là là. Bon allez, ça suffit, j'en ai marre. On va partir. Je quitte. Allez. Recommencer mission, dernier point, option, on s'en fout. On peut changer la difficulté en plein milieu de partie, ça m'étonnerait. Ouais bon, on s'en fout. Allez, on quitte. J'en ai marre. J'aurais dû mettre en facile, je pense. Hein. Opération brise-lame. Ok. Bon. Eh ben, c'était pas fameux. Hein. En tout cas, ça m'a donné une petite idée de ce mode solo. Bon, au moins ça fait un petit peu cinéma hollywoodien hein, avec pas mal d'effets visuels. Hein, voilà, ça tire de partout. Hein. Donc, au moins au niveau de l'ambiance, c'est sympa. Même si je suis pas trop friand et client de ce genre de jeu et même de films de guerre. Hein, c'est pas trop mon trip, hein, les films de guerre, tout ça. C'est pour ça que les FPS, c'est pas trop mon trip non plus, puisque la plupart sont sur des jeux de guerre. Donc voilà, c'est pour vous dire, le dernier FPS que j'ai dû faire, hein, qui m'a vraiment plu, c'était GoldenEye sur 64, hein, donc ça remonte. Hein. Ok, ce que je vais vous proposer là, je vais faire une toute petite coupure, parce que je crois que pour le mode multi, il va falloir que je change de DVD. Attendez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il me dit si je prends le multi? Ouais, insérer le disque multijoueur, j'en étais sûr. Ok, donc je vais faire une coupure vite fait. Et puis on va se retrouver pour faire voilà une vite fait bien fait une ou deux parties de mode multijoueur avec d'autres joueurs sur le live. On va voir ce que ça va donner. Ça va être encore pire, je le sens. Mais bon, allez, je coupe et je vous dis bah à tout de suite hein, dans quelques secondes hein, pour le mode multijoueur.
Ok, I am back. Alors là, on se retrouve pour le mode multijoueur, hein, après ma prestation minable sur le mode solo. On va voir ce que ça va donner en multijoueur avec d'autres joueurs via le Xbox Live. Je pense que ça va pas être mieux, hein. Je vais me faire ratatiner, mais méchamment. Je pense que les joueurs qui sont encore sur le live sont des bons joueurs, hein, qui doivent avoir des centaines d'heures sur ce jeu, hein, et ils vont ne faire qu'une seule bouchée de ce pauvre Squall. Allez, courage. Alors là, partie rapide, navigation, serveur, classement, louer un serveur carrément. Mes serveurs, consulter et gérer les serveurs que vous louez, ok. Louer un serveur, c'est quoi ça? Bienvenue dans la boutique, louer un serveur, Battlefield 3, vous pouvez louer un serveur grâce à vos Microsoft points. Ah carrément, faut payer. Wow, non, 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 je veux pas. En plus, ça coûte combien? 2000 points Microsoft, 4800. Pff, incroyable. Ah ouais, pour un mois, il faut payer 2000 points Microsoft. Pour avoir un serveur privé, peut-être, je sais pas. Pour jouer avec ses amis. Bon, ok. Enfin bon, on s'en fout. Nous, on va faire une partie rapide. Hein. J'espère qu'on peut quand même faire une partie sans devoir louer un serveur. Ça serait quand même honteux, sinon. Alors, voyons voir si on trouve des amis. Inviter un ami. Bah non, il n'y a pas d'amis. Hein. D'ailleurs, si, il y a marqué invitation. Amis en haut, il y en a 3. Bizarre. Je dois avoir dans mes contacts des gens qui ont Battlefield 3. Carte, on va tous les mettre. Mode de jeu, c'est quoi? Conquête. Consiste à capturer et contrôler les drapeaux. Ouais, c'est capteur de drapeaux. Match à mort en équipe, ouais, match à mort à quoi? À ESC? À ESC quoi? En escouade? Vous êtes en équipe, rue en escouade, Mamé, Close, Carter, tous. Bon, allez, on va mettre tous, carte, traverser de la Seine. Ah, on a la France, trop cool. On n'a pas visité la France, je crois, dans le mode solo, là, de ce que j'ai fait en tout cas. On n'a pas vu grand chose, hein, avec ma skill pitoyable, hein. Putain, j'ai vraiment joué comme un pingouin handicapé, quoi. C'est incroyable. Grand bazar, pic de dame avant, cargue, opération tempête de feu, autoroute de Téhéran. Ah ouais, on va même aller en Iran, c'est bien ça. Opération métro, frontière caspienne, canot de Nosar, tous. On va mettre tous, hein. Il y a quand même pas mal de maps, hein, par défaut. Hein. Trouver une partie, allez, c'est parti. On va voir si on trouve quelqu'un. Ah! Ah ouais, oui, c'est super rapide de trouver une partie sur ce jeu. Hein. Bon, soyez gentils, hein, ceux qui vont jouer avec moi. Alors là, je suis sur match à mort. Bon, je sens que je vais mourir très vite. Soyez gentils, hein, ceux qui vont jouer avec moi, là. Essayez de pas me tuer trop rapidement. Laissez-moi au moins respirer 2 minutes, quoi. Ça promet, ça promet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oula, ingénieur, assaut, soutien, éclaireur. Ouais, je vais être assaut, je suis un barbare, moi. Lui, il donne. Putain, je me fais déjà tirer dessus, c'est pas possible. Lui, il est pas avec moi. Non, il est avec moi. Ils sont tous avec moi, eux? Ouais, sinon, ils m'auraient déjà tiré dessus. The Bibou, ok. Je sais même pas s'il joue avec des Américains ou. Des Français, j'en ai aucune idée, proposer des soins, mais je suis déjà mort. Putain, c'est incroyable, tué par mais je sais pas qui. On va mettre. J'entends des gens parler, mais ils n'ont pas l'air de parler français. Je sais pas c'est quoi comme langue là, de l'allemand. The Rambo, hein. Pourquoi t'as un roquette et moi j'en ai pas proposé des soins? Quoi? Mais putain, il était juste à côté de moi. Oh le barbare. Bon attendez, je vais changer quand même. Je vais prendre un ingénieur, allez. Je change d'endroit à chaque fois, au moins ça me permet de visiter la carte. Car je pense que j'aurais pas pu la visiter sinon. Vu que je meurs toutes les 2 secondes. Et en plus je suis bloqué par un élément du décor, c'est magnifique. Comment on sort? Ok. C'est moi ou je suis bloqué là? Attendez, on peut peut-être sauter là. Oh putain, je suis en train de me faire canarder. Je vois rien. Ils sont où les ennemis? Non, lui c'est un ami. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Putain, mais... Ok, d'accord, mais c'est incroyable. Mais d'où il sort lui? Il m'a déjà tué, je l'ai même pas vu. Je suis qui moi? Je suis USA ou RU? Je sais pas quoi.
Oh là 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 là. Mais où sont les amis des ennemis? J'arrive même pas à les distinguer. Bon. C'est un ami lui? Lui c'est un ennemi. Feu à volonté, je sais même pas si je dois en tuer un. Non, j'ai tué personne. Putain, lui c'est un ennemi, enfoiré. Phoenix là. USA 25, rue 25. Se déployer. Point de réparation. Réparition aléatoire. Ah ok. Je vais mettre lui, je sais pas. Putain, les membres de mon équipe, ils doivent me haïr. Hein. Ils doivent dire, mais putain, c'est quoi ce boulet qu'on a dans l'équipe, quoi. Je suis désolé, les gars. Je suis vraiment trop nul. Ils vont me bannir de leur groupe, hein, si ça continue comme ça. Putain, je suis en train de me faire tirer dessus. On va se planquer là-dedans. Feu à volonté! Je vois personne, mais je tire. Oh putain, mais il est où? Mais putain, je me fais à chaque fois tuer. Hein. Il me faudrait des rétroviseurs pour voir ce qui se passe derrière moi, quoi. Ah, j'en ai marre. On est qui, nous? On est Ah oui, on est USA, ok. Bon, là, on est en train de perdre. À cause de moi. Mais où sont les ennemis? Quoi? Ah, c'est un ami? Oh putain! Mais c'est pas possible, j'y comprends rien! Pourquoi il y a un Mass Effect 3 qu'il y avait dans le badge là? Ouais, c'est IA. C'est Electronic Arts également Mass Effect, je crois. Hein. Ça doit être un délire. Escouade en équipe. Bon. Je vais prendre ça. Hein. Ah, un sniper. Peut-être avec un sniper ça va aller, non? Ouais, j'en ai tué un! Alléluia! C'est bon. Je peux mourir en paix, hein. J'ai tué un ennemi. Ouais, bah, je suis mort. Ça va pas durer bien longtemps. Mais j'ai tué un ennemi! Ouais! Youpi! Ah, ça fait plaisir. Au moins, j'ai sauvé l'honneur, j'ai tué quelqu'un. Moi je peux me relâcher, j'ai tué quelqu'un. Je suis happy. Putain, y'a personne là. Ah, y'en a un qui tire là. Ok, de toute façon je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. C'était vraiment pour le délire hein, que je vous ai fait ce direct live. Hein. Donc je préviens à l'avance, hein, ne comptez pas sur moi pour que je fasse des vidéos à l'avenir de ce jeu, hein, franchement, ou alors peut-être d'ici plusieurs mois, hein, si j'en ai vraiment la patience, hein, parce que vraiment je maîtrise pas du tout, putain. Oh là là, oh là là, oh là là, et voilà, je suis encore mort. Je maîtrise pas du tout le sujet, hein, vous avez vu ma prestation, mais médiocre. Ah ben là, on est en train de gagner. Mais ça se finit quand en fait? Il y a un timer ou quoi? Je sais même pas. Je vais garder le sniper, tiens. Ça reste l'arme pour laquelle je peux un peu me défendre. En me planquant. Ouais, franchement là, skill en papier mâché. Hein, mais vraiment honteux quoi. J'ai vraiment pas assuré hein, sur cette prestation dans ce Battlefield 3. Hein. Mais bon, c'était prévisible, hein, quelque part. Hein. Donc voilà, j'espère que vous serez bien marré hein, sur ma skill en mousse. Voilà, regardez-moi ça, je suis en train de me faire tirer dessus, je ne sais même pas où il est. Et voilà, je suis mort. Putain, mais tu sors d'où, toi, le phénix? C'est toujours lui qui me tue, en plus, phénix. Chevalier phénix, là. Incroyable. Ouais, donc j'espère que vous serez bien marré hein, sur ce direct live complètement barré. Hein. Au moins ça le mérite d'être original. Hein. Le squall, il a... Oula, putain, le mec il a un lance-roquette carrément. Le squall, voilà, il a franchi le pas hein, et il s'est mis au FPS hein, pour le délire et pour la curiosité. Au moins j'ai vu ce que c'était que ce Battlefield 3 hein, dont tout le monde parlait à l'époque.
Il me reste plus qu'à faire un direct live sur un Call of Duty, hein. Si j'arrive à en choper un pour une dizaine d'euros, éventuellement, j'en ferai peut-être un direct live. Mais franchement, c'est pas du tout gagné, hein. Regardez-moi ça, mais... Putain, le nombre de morts que j'ai. Heureusement que mon équipe joue bien, hein. On est quand même en avance, hein. 76 contre 65. Mais c'est médiocre, mais au plus haut point, quoi. Donc en tout cas, c'est sûr, je vous ferai pas un test de ce jeu, hein, parce que voilà, je m'y connais vraiment très peu pour pouvoir vous donner un avis objectif ou subjectif sur ce jeu, hein, et je pense que j'arrive même pas à le finir tellement je suis nul. Bon, en tout cas, je me serais bien marré, hein, c'était plutôt marrant de jouer à un FPS, hein, un FPS de guerre, voilà. Ah, y a quelqu'un qui me shoot. Ah putain, je l'ai vu en plus, hein. Je l'ai vu avec son sniper, l'enfoiré. Voilà, bon. Allez, on va s'arrêter là. Oh putain, à peine je repop, je me fais déjà tirer dessus. C'est magnifique. Incroyable. Allez, je vais vous laisser là, hein. Donc voilà. Ne me demandez pas quand est-ce que tu vas faire une prochaine vidéo de Battlefield 3. Hein. C'est pas prévu au programme avant de longs, longs mois. Et encore, hein. Je suis gentil. Hein. C'était vraiment pour le délire, hein, que j'ai fait cette vidéo. Hein. Vraiment pour le fun, hein, et pour que vous passiez un bon moment à me regarder, me vautrer complètement et à mourir toutes les deux minutes. Ah, j'en ai marre. Allez, on va arrêter là le massacre. Hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine!